Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23, j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici, évidemment, de notre aventure The Last of Us 2, comme d'habitude, asseyez-vous, un casque ou des écouteurs, blablabla, tu connais la musique, profite de la 4K 60fps, et surtout, si tu aimes ce contenu, eh bien n'oublie pas le petit j'aime, voilà, histoire de me remercier, et le petit commentaire, parce que ça fait... toujours plaisir. On retrouve donc notre ami Jesse, avec qui nous partons pour de folles aventures. Et je pouvais passer par là. Je ne le savais même pas. Il y a peut-être des bonus là. Il y a peut-être des trucs. Regardez, mais bien sûr qu'il y a des trucs très sympas par ici. Des ciseaux. Regardez ce qu'on va faire. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir one-shotter 5 personnes. D'habitude, c'est vrai qu'on fait quasi que des battes de baseball. Mais les temps changent, les amis. Les temps changent. Oh. Qu'avons-nous là? Rien du tout. Littéralement rien. Allez, on continue. Un petit arrêt qui était plutôt cool, franchement. Ça valait le coup. Je ne suis point déçu. Alors, on peut passer à gauche. Mais je suppose qu'à gauche, c'est pour faire marche arrière. Ça part là. Vas-y. On va faire une croche pour atteindre la grande roue. Faire une croche? Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, c'est quand tu tournes trois fois à droite autour d'un pâté de maison au lieu de tourner... S'il vous plaît ! Merde ! On l'a eu! Regardez s'il reste des survivants! Je suis chié dessus, putain! Je vais m'en timbrer! Attends, plus limité par l'autre. C'est du sérieux cette tempête. Ça doit pas être facile de naviguer par cette eau. Moi, je suis bien que le premier à débarquer. T'inquiète, il y en aura assez pour tout le monde. Eh, franchement, vous savez quoi? Ils ont un chien vers la gauche. Oh non, c'est pas possible, putain. Pas possible. Propre et net. Bien sûr, propre et net, frérot. Ici, c'est la rue. Je vois rien. Il a flairé quelque chose. Tu sens quelque chose? Ok. C'est là que la guerre commence? Merde. Mais où ils sont, putain? J'ai été cramé comment? Ok, ça passe. Ça passe de ouf. Ça passe de ouf. Allez, on se casse, hein. Eh, je voulais le faire en full discret. Bon, comme par hasard, évidemment. Pile poil un gars sur le chemin. Mais ça passe. Donc, on a évité les grosses galères. Et on a utilisé une seule flèche, un carreau. Ainsi que... un coup à bout portant. Donc, c'est plutôt cool. Je suis pas peu fier. Allez, on se passe. Normalement, ils peuvent pas me rattraper. Oh, je reconnais ça. Des endroits bien sinistres. On va essayer de fouiller quand même par ici, on sait jamais.
J'aimerais ne pas passer à côté de quelque chose de potentiellement important. Ok. Oh, un établi. Bon. Alors attendez, parce qu'ils ont donné beaucoup de trucs en vrai. Ouais, non. J'ai pas encore assez. Ils avaient donné beaucoup d'outils, donc c'est plutôt cool. En fait, ils sont malins, hein, les établis, ils sont plutôt bien planqués. Une bouteille, toujours utile. D'ailleurs, j'ai déjà un silencieux, évidemment. Il faut que je trouve du scotch, j'ai encore pas mal de trucs niveau ressources, ça commence à devenir un tout petit peu craignos en ce moment. C'est la crise, on va devoir serrer la ceinture, je pense. Ah, les fins de mois vont être difficiles. Voilà. Je suis sûr qu'Abby a choisi la croyance après, par réflexion d'y accéder. Peut-être. Donc Abby est en train de se chier dessus, très bien. Ah, ça va peut-être demander moins d'épisodes. Oh putain, non, c'est chiant. Ah bah, installez-vous confortablement. Hein. Putain. Comment on va faire pour traverser ? On pourrait prendre cette route. Mais putain, ça fait long. Sinon, il y a ça. Ouais. Ça, c'est mieux. Viens. Par là. Ok. Pas même peur de ce qui va se passer. Donc ça va devoir saigner. La vue était magnifique. Putain, j'aurais dû la regarder. J'ai un peu dégoûté. On va essayer par là. Alors c'est quoi le plan? On bute ces types et on leur fauche leur bateau? On prend le bateau, ça c'est sûr. Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font. Ah, ils sont en train de te dire qu'on peut le faire. J'espère en mode qu'ils sont plutôt sympa hein, de leur part. Hein. C'est un petit message hein, pour dire hey, t'es pas obligé de tuer tout le monde, tu vois. Mais les gars, c'est une vengeance, je vous l'ai déjà dit, on a plus de pitié. Hey, je peux enfin encore faire 4 one shot. Sûr qu'il va y avoir une brute encore dans pas longtemps. Vous savez, les mecs qui résistent grave. Là, quand on donne autant de heal. Oh, quel bordel. Je le crois pas. Eh ben, va falloir y croire, mon ami. Va falloir y croire. Parce que là, ça va swinguer. Attends, Jesse, s'il te plaît. T'aurais pu sauter un tout petit peu plus tard. Je peux aussi passer par là. Allez, viens mon Jesse. Attends. Vas-y, c'est bon. Ok. Bon. Pas où est le bateau? Pas ici. Mais il a pas l'air à côté. On va traverser tout ça. J'ai un coup de main? Ah, c'est bon. Sniper, je répète, sniper repéré à la marina. Sûrement un intrus. À toutes les unités au rapport. C'est Tommy. Merde. Au 4, direction la marina par le pont. Nous, on reste ici. En attendant les ordres. Quoi ? Attendre ici pendant que des gars à nous se font descendre ? Les ordres sont clairs. Ils sont bien assez nombreux pour se débarrasser d'un seul. Ah oui, d'accord. T'es plus un gentleman, toi, hein ? Vas-y, c'est grave un gratteur. Eh, hey, lâche un peu la corde, frérot, voilà. Ok. Putain de merde. Ellie. On peut accéder à la marina par là? Non, on prend le bateau. Tu les as entendus, ils parlaient de Tommy. On n'en sait rien. Qui ça peut être d'autre?
Même si c'était lui, on pourra jamais le rejoindre à temps. Son but, c'est de retrouver Abby, alors on n'a qu'à suivre. Si jamais il est dans la merde. Il sait se débrouiller tout seul. J'y crois pas. La meilleure façon d'aider Tommy, c'est de trouver Abby. Je viendrai pas te sauver encore une fois. J'espère que tu vas t'en tirer. C'est peut-être pas le moment, hein, de jouer chacun pour sa gueule, non, je sais pas. Je me mets où ? Par la marée, oh, shit. Je peux pas passer par là, putain. Je peux ? Non, je peux pas. Elle m'a laissé pour l'enfer. Dommage, j'ai voulu y échapper. Wouh ! C'est la fin ! Aïe ! Aïe ! Très bien, très bien. Prévu. Allez, butez-la. Merde. Derek, t'amenez d'abord, vite. Comment elle a pu se tirer? À la chasse! Oh la pluie! Là, ça se lit de ce côté! Ok. Bon. Trois. C'est le nombre qu'ils sont. Ah, ça va pas être facile cette connerie, hein, je... Réponds-moi. Elle a tué Lee. Faut qu'on la descende, et vite! Ici! Hop! Allez, ferme ta gueule. Ah, putain. Ok, donc je disais... Hop, désolé, hein, ça, vous savez que je suis très énervé en ce moment. Ça servait à rien, mon amélioration à la con. Impression que ça servait à rien.
Oh là 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 là, c'est pas à côté. Ok. Bon, par contre, pour l'instant, c'est que des headshots. Je suis plutôt pas plus fier de moi. Possible leur vue. Il y a ta grande gueule. Non mais comme par hasard il vient là. Eh, ça rend ouf. Allez, quelqu'un là-dedans. Ami, sortez de là, derrière. J'ai une munition. Là-dedans! Dégagez vite! Sors ta tête, je t'ai vu. C'est un truc de ouf, sors ta tête! Oh non! C'est tellement injuste! Ok. Ah oui, il a été découpé en deux quand même. Hein. Cocasse. On va passer notre vie ici, on va dire. On va passer notre putain de vie ici. J'ai pas de scotch. J'ai pas de quoi faire un silencieux. Juste envie de chialer, putain. Elle m'a semé. Elle nous cueille en para. Maintenant. Bah maintenant, ma petite Ellie, j'en sais rien, putain. C'est la guerre. Le Jesse qui m'a beaucoup de fun. T'inquiète hein, il a vu ce qu'il y avait à faire, il a fait oulala. Oulala Ellie, je te laisse bosser. Terrible. Que dalle. Tu la vois? C'est compliqué. Perso, je vois que dalle. Hé, hey, respire. Elle est pas loin. Bon. Que de la haine. Voilà. Que la carotide ici, mon pote. Bien sûr, va te faire foutre. On n'a pas que ça à foutre ici. Bon. Wouh. Et ben, c'est plutôt incroyable.
à chaque fois que je pense être tranquille. Oh là là, elle va faire encore son énervée, celle-ci. C'est pas vrai. Eh ben, on va l'attendre bien sagement. C'est pas facile. C'est pas facile, on attend de prendre au moins le bateau, j'espère, dans cet épisode. Oh mon dieu, ils ont tué Bobby et Johnny. Il est temps que j'aille voir qu'est-ce qui s'est passé. Non, non, non. Ça lâche. Bon, je vois qu'il faut venir te chercher. Eh, hey, je suis là. Allez, regardez-moi cette tête et cette haine. Regardez. Voilà, on serre un peu les dents. Voilà, regardez. Oh, voilà. Tu vois, quand ça gicle comme ça, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Bon, et ben voilà. Le bateau. Ah, nous y sommes au bateau. Incroyable. S'il te plaît. Allez, mon zobabé! Attends. J'y vais. Là, il y a des bails. Il y a des bails de Dubaï. On y va. Ah, il va se passer des choses là-dedans, non? Wouh! Ah ouais, d'accord. Non, c'est tous les chemins possibles et inimaginables. D'accord. Qu'on aurait pu prendre, effectivement. Et ça fait beaucoup de chemin. Bon bah on va fouiller. Ça va, vous serez pas contre hein. Fouiller un petit peu juste. Allez, au moins cette boutique quoi. On sait jamais, sur un malentendu on peut trouver du sale. Tellement d'eau, tellement de. C'est caca pour circuler ici. Et ben voilà. Ah, il y a tellement de passages en vrai possible. Allez, on va fouiller juste au-dessus quand même. Ouais, ça m'a intrigué. Voilà, c'est. Oh. C'est plus que pas mal. Une balle, c'est une balle, comme on dit dans le milieu. Vous savez qu'on a un tireur d'élite comme moi averti. Voilà. Une balle, bah, c'est une balle. Hop. Y a plus qu'à. Allez, vous nous abordez. Cette fois-ci, on l'utilise, ce bateau. Hop, moi. J'ai jamais su monter sur un bateau. Ouais, je suis désolé. Allez, on zobardé. Direction la grande roue. Ce soir, tout le monde est chaud. Des peluches à gagner, c'est du gacha. Allez. Oh putain, on y est presque. On va passer cette nuit. Donc on se permet de rider un max. Voilà, des micro-cascades, hein, c'est que des micro-cascades. Y'a personne derrière. Bon. Où est la grande roue? Ça passe. Ok. Bonjour messieurs, dames. Allez, sur votre gauche, c'est Gucci. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Ellie, qu'est-ce qu'on prend? Allez! Qu'est-ce qu'on. Non, vraiment là, les gars, on va dans le métro et tout en bateau? Ah ouais, on a plus aucun respect pour personne ici. Et maintenant? Ok! Bien, je pensais qu'il y avait du monde. Alors, je pense qu'on va devoir ouvrir ce portail.
Alors, si tu lis ça, c'est que je me suis fait buter. J'espère que c'était pas par un enfoiré de Scar, mais quelque chose de plus classe. J'espère surtout que tu te rappelles où on a planqué nos réserves. Le code 70-12-64, c'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Prends tout et prends soin de toi. Rental. Et ben normalement, le coffre doit pas être bien loin. La voilà. Allez, on y est presque à la grande roue. Je sais pas si on va y arriver à la fin de cet épisode, mais on y travaille en tout cas. Abby, je t'ai supplié d'arrêter. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Oh ! Tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Une grande cascade. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a bien un coffre ? Tout ça mène, ça. Un coffre, Ellie, j'ai confiance, j'ai confiance. Une grande cascade. Yes, c'est le coffre. Je vous le dis que c'est le coffre. On est dans une réserve. Oh non, il y a intérêt que ça soit le coffre. Je vais me fâcher. Il n'y a pas de coffre. Si. Ok. Très très chaud. Note de la cachette. Donc c'était 70. 70, 12, 64. Allez. 70, 12, 64. Là, 70, 12, 64. Allez, ça dégage. Qu'est-ce que tu gâches ? Intérêt à me régaler, mon sauce. Il y a des balles, nickel, il y a de l'eau, malheureusement, on en a plein. Bon, allez, c'est mieux que rien. On prend, hop, on recharge tout calmement. Voilà. Allez, go. Ouais, ça va, c'est mieux que rien. D'accord. On va ouvrir ça. J'espère que ça va rester en l'air cette fois, c'est aussi chiant. Voilà. Allez, on y est presque. On y est bientôt, hein. J'y crois, hein. Il reste quelques minutes avant la fin de l'épisode. J'y crois, cette tour. Oh, excusez-moi du peu. Allez, Zubardi! Nous direction la grande tour, sous on a fait effort! Quoi? Attends, on va se balader combien d'années en fait avec le bateau? Faut qu'on dise ça. Des configurations alternatives. Ah, peut-être inverser les sticks, je sais pas. Oh, c'est pas vrai, putain, mais. Quoi? C'est une blague. Ah yep! Allez, cousin! C'est bon. Bon! Il va pas tenir bien longtemps. Pareil, évident. Ok. On a quoi là? Oh, ouais, ça va laisser un peu pour l'enfer. Cascade! Il y a des petites plantes par ici, attendez, eh oh. Ce serait dommage de pas en profiter. Pardon, je suis plein niveau pompe, on est sérieux là? J'avoue que c'est américain, mais on est sérieux. Ça on prend, 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 et ça on lit. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon grand? Oh là là. Si des wolves lisent ce message, dites à Isaac et aux autres que les rumeurs sont vraies. Il y a un nouveau type d'infecté. On dirait un demi-colosse avec des boutons plein la tronche. Il est vraiment laid. C'est peut-être la pluie qui a causé cette mutation. J'en sais rien. Il était lent, donc j'ai pu l'abattre facilement. Mais quand je me suis approché pour jeter un coup d'œil, les espèces de pustules sur son corps ont explosé. Ça m'a brûlé tout le côté droit du corps. Un peu comme de l'acide. Si un de ces trucs s'approche de vous, gardez vos distances. C'est devenu double face, quoi. Ok, est sympa celui-là. Bon, il est mort dans la souffrance, mais enfin, bon.
Le scotch est incroyable. J'ai pas faut sucer qui pour un bout de scotch, mais ça reste une ressource. Ça reste une ressource incroyable, hein. C'est débile. Allez, on se casse. On se casse. On va se rapprocher un petit peu de la roue encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. C'est par ici. Non, non, c'est injuste, frérot. Putain, j'étais dedans. Je vais les découper et on va s'arrêter là. Normalement, j'ai des petits problèmes de nage. Alors. Anesthésie locale et générale. Le travail est propre et plutôt bien fait. Eux, ils sont pour brûler le bateau. Bon, bah alors, messieurs, dames, qu'est-ce qui s'est passé, là? Putain, ils sont encore deux. Voilà, des petits coups de hache comme ça dans le bidou. Alors, ouais. Fais-le. D'autres suivront mes pas. Ferme ta gueule, putain de merde. Ferme juste ta gueule. Une petite briquette, ça fait toujours plaisir. Bon! Eh bien, les amis, on va s'arrêter là. Nous allons tout fouiller calmement. Tous ces cadavres, tous ces corps. Oh, le molotov, j'aurais pu la prendre en vrai. On est vraiment pas mal. Je ne suis pas peu fier. Oh, ils auraient pu lâcher des balles là. Ça, c'est un petit peu bizarre. Encore. Moi, lâchez hein, les flèches, hein, ça me va. Hein. On va s'arrêter là et puis on va se dire à très bientôt pour la suite de notre aventure. On va bientôt arriver à la Corée. Mais elle. J'ai hâte de savoir qui c'est aussi. Ok. Voilà. Une petite vis, ça fait plaisir, on adore les vis ici. Oh. Un câble explosif. Juste pour Bibi. Un petit message. Jules. Ok. Jules, j'espère que tu me pardonneras. On était trempés, gelés et affamés quand on a atteint leur camp. Une séraphite s'est occupée de nous. Repas chaud, couverture. Elle rayonnait d'amour. Elle m'a traité comme un des leurs. Elle s'appelait Karen. On était censé embarquer sur son bateau et faire cap sur Haven le lendemain. Et puis, des coups de feu. La tête de Karen a explosé. J'étais couvert de sang. La panique. Zachary a été touché. Deux wolves. Ils sont passés à côté de moi. Ils ont dû croire que j'étais leur prisonnier. Et là, quelque chose en moi a lâché. J'ai sorti mon pistolet et je les ai abattus d'une balle dans la tête. Zachary est solide, il s'en sortira. On a enterré Karen et prié pour elle. Zachary m'a donné un nouveau nom, Emmett. Il dit qu'il signifie vérité. Je me suis rasé la tête et scarifié le visage. Jules, je me demande si tu me reconnaîtras. Emmett. Oh ! D'accord, ok, c'est une sorte de...
sorte de secte un peu chelou. Très bien. Eh bien écoutez, on va finir de fouiller. Parce qu'il y a, putain, il y a pas mal de trucs en vrai. C'est une régalade là. Là c'est du sirop d'érable en barre, hein, si je puis me permettre. Hein. Une nouvelle brique, incroyable. Et ben voilà, on a juste à retourner au bateau. Mais écoutez les amis, on va s'arrêter là. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. Et je vous dis à demain tout le monde. Portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao.